Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans mes recettes Hannibal. Alors, vous le savez, le principe est simple. Vous proposez une recette pour 4 personnes à moins de 10 euros. Et aujourd'hui, je vous propose de travailler la patate douce. La patate douce est un légume que l'on trouve toute l'année, mais c'est sympa de la travailler en hiver, d'abord parce qu'il y a moins de choix de légumes sur les étals, et puis ça apporte une petite note exotique dans ces périodes un petit peu froides. On va faire une patate douce en deux façons, avec un joli œuf poché, et je vais vous donner une astuce pour faire l'œuf poché à la maison très facilement. C'est quasiment inratable. Alors pour cette recette, on a besoin de quoi ? On a besoin d'un petit kilo de patate douce. Et vous allez en choisir une plutôt allongée, je vous dirai tout à l'heure pourquoi faire. On va avoir besoin de 2 petits champignons de Paris, ça va égayer la garniture. Un avocat, un joli avocat qu'on aurait prévu un peu mûr, on n'en gardera que la moitié pour notre recette. L'autre moitié, vous en ferez un guacamole pour l'apéritif ou juste pour agrémenter une petite salade. Une gousse d'ail pour apporter un peu de goût. Un peu de crème, parce qu'avec la crème, c'est meilleur. Et puis nos œufs. Alors là, pour le coup, on va les faire pocher, donc il faut choisir des beaux œufs de ferme, des œufs de poule, des jolis œufs bio. Donc la patate douce, vous allez en avoir pour à peu près 3 euros, l'avocat 1 euro, 1,50 euro, 2 euros, 2,50 euros de vos œufs, la crème fraîche, on est en moins de 10 euros, on rajoutera quelques brins de coriandre pour apporter une note exotique et un petit peu de fraîcheur dans la présentation. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est une recette qu'on va faire en deux temps. On va pouvoir préparer nos patates douces en amont, le matin, la veille, nos 2 cuissons. Et puis par contre, au moment de passer à table, il va falloir prévoir quelques minutes pour pocher l'œuf, pour tailler les champignons, juste pour apporter ce supplément d'âme à l'assiette, cette belle garniture qui va rendre votre assiette extrêmement gourmande, extrêmement jolie, et en tout cas très appétissante. On va commencer tout de suite par la cuisson des patates douces. Une partie sous forme de frites au four, une partie sous forme de purée. Alors on va commencer évidemment par éplucher ces patates douces. Petite astuce pratique, pour pas que votre planche gigote sur le plan de travail, on met toujours un petit chiffon humide, un petit bout de papier absorbant ou de tissu. Et comme ça, la planche ne bouge pas, on ne peut pas se couper. Voilà, et on va commencer par éplucher nos 2 patates douces. Ce n'est pas la partie la plus excitante, mais vous voyez, ça se fait tout simplement. Alors la patate douce, c'est un légume qui est sympa, c'est un légume qui est pas cher, c'est un légume qui a beaucoup de goût, et puis c'est un légume qu'on trouve facilement aujourd'hui sur nos étals. Donc les patates douces, on va les préparer tout simplement pour partie au four, sous forme de frites. Et puis avec les parures, avec le reste, on va faire une petite purée. Et donc au moment de dresser, on assemblera la purée, les frites, pour apporter 2 textures différentes, pour apporter 2 saveurs différentes, 2 présentations différentes. C'est ce qui va rendre l'assiette aussi plus sympa et plus appétissante. On essuie notre planche parce que la patate douce, elle est toujours un petit peu terreuse. Et on va commencer à tailler nos frites. Alors on prend la patate douce la plus longue. Et on va garder comme ça 2 morceaux d'à peu près égale longueur. On va parer les bords. Et ensuite, on va tailler des lamelles à peu près 1 cm de large. Voilà, les petites chutes, les petites parures, c'est pas grave, on les récupérera pour le crémeux tout à l'heure. Et on fait nos frites comme ça, tout simplement. Alors les frites, vous en comptez à peu près 6-8 par assiette pour arriver à trouver un bel équilibre, un bel assemblage dans votre dressage tout à l'heure. Voilà, j'ai mes frites. Alors les frites, on va les cuire au four. On va prendre tout simplement un plat qui va au four. On les met à l'intérieur. Un peu de sel. Un peu de poivre. Bon, je vais rajouter quelques épices, vous n'êtes pas obligé, mais ça rapporte toujours un peu de goût. Donc là, j'ai sous la main du zaatar. Vous pouvez mettre du curry, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme épice, ça va rajouter un petit peu de fraîcheur. Et puis on va mettre de l'huile d'olive pour apporter un peu de tendreté, pour pas que ça accroche. Et pour nos frites, bah c'est quasiment fait. On les met au four à peu près 15 minutes sur un four chaud, 160-180 degrés. Et ensuite, on va tailler le reste de la patate douce en morceaux grossiers pour faire notre purée.
Oui, on coupe ça de façon très grossière, très sommaire, c'est pas très embêtant. Ça va finir dans la casserole avec un petit peu d'eau. Je vais rajouter ma gousse d'ail. Voilà, sommairement épluché. De toute façon, après, on va mixer, donc c'est pas très gênant. Vous voyez, ça apporte juste du goût. Sel, poivre, évidemment. Et on va faire cuire ça avec de l'eau. On va rajouter simplement dans l'eau deux petites choses. Moi, je rajoute toujours un petit bouillon de bœuf. Vous pouvez rajouter un bouillon de poule, un bouillon de légumes. Ça va rajouter du goût. Et puis, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on aurait la coriandre. On va garder juste les feuilles et puis les queues de coriandre. Mais on va pouvoir aussi les mettre dans notre purée parce que ça va apporter un peu de goût. Je récupère mes feuilles de coriandre et je garde les queues pour mon crémeux. Alors ça, on peut les rajouter plus tard dans la cuisson. Là, je le fais au début, mais vous pouvez le faire en cours de cuisson, c'est pas très gênant. C'est un principe simple, en cuisine, on ne jette rien. Alors évidemment, ces petites queues de coriandre, elles sont un peu dures à mâcher, donc on va simplement les mettre dans notre purée. Voilà. Le bouillon de légumes, ou le bouillon de bœuf, selon les plaisirs des uns et des autres. Alors vous voyez, je mouille juste à hauteur, parce qu'en fait, on va faire un crémeux donc, et pas une soupe, donc il n'y a pas besoin de trop d'eau pour faire notre cuisson. Et c'est parti, on a nos frites qui sont en train de rôtir au four, notre purée qui est en train de cuire. Il va vous falloir un petit quart d'heure. On va crémer en fin de cuisson, ça ne sert à rien d'apporter la crème trop tôt. On l'apportera en fin de cuisson. Et puis, soit vous êtes en train de préparer le repas et on va pouvoir commencer à préparer les garnitures, ou les garnitures, je vais vous montrer comment on les fait, et vous les ferez au moment de servir un peu plus tard. Donc on va juste écraser notre avocat. Voilà, pour un avocat, on le coupe par la moitié. Pour enlever le noyau, c'est très simple. Un coup de couteau, on tourne et le noyau est parti. Et pour enlever la chair, avec une cuillère, on vient tourner le long de la peau, comme ça, et vous récupérez tout sans perte. Je le coupe en morceaux, simplement. Voilà. Et je le mets dans mon presse-purée. Alors, cette petite purée d'avocat, on peut la laisser comme ça. On peut l'agrémenter d'un jus de citron, on peut l'agrémenter d'un peu d'épices, on peut la relever avec du poivre. Moi, elle m'intéresse comme ça, juste pour apporter cette couleur, cette fraîcheur à l'assiette. Mais vous pouvez vous amuser à rajouter quelques aromates dedans. Et l'autre demi-avocat, on va le filmer si on veut le garder, ou on le mange tout de suite, avec une petite vinaigrette, avec un jus de citron. C'est une façon d'agrémenter votre entrée. Ensuite, on va juste ciseler notre coriandre. Voilà, la coriandre, c'est très aromatique, c'est très gourmand, ça apporte de la couleur, ça apporte de la saveur, ça apporte une petite note d'exotisme aussi en cette saison. Et puis on va tailler aussi nos petits champignons pour décorer notre assiette. Et maintenant, je vais vous donner une astuce pour ne pas rater les œufs pochés. Alors c'est très simple, il vous faut un petit ramequin. On va prendre une feuille de papier film et on va venir la mettre comme ça à l'intérieur. Voilà, juste un tout petit peu d'huile à l'intérieur pour ne pas que ça accroche. Et ensuite, on va casser l'œuf dedans. Et vous voyez, vous avez un petit ballotin que vous allez juste tout à l'heure plonger dans l'eau bouillante au moment de servir l'œuf. Et juste comme ça, on va le tenir avec une petite fourchette, une fourchette en bois, enfin juste une pince, n'importe. Vous pouvez accrocher les quatre d'ailleurs. Et juste dans l'eau chaude, comme ça, pendant 4 minutes, vous allez avoir un œuf magnifique pour servir sur votre assiette. On le verra tout à l'heure dans la cuisson. On va aller s'occuper maintenant de notre purée de patates douces. Allez, on va aller vérifier la cuisson de nos patates douces. C'est bien tendre, la lame du couteau rentre toute seule. On va crémer. Voilà, un petit peu de crème sur le dessus. On laisse réduire 2-3 minutes. Et ensuite, un petit coup de mixeur et on aura notre purée de prête. Alors pour faire notre crémeux de patates douces, une petite girafe comme ça, un petit mixeur maison, c'est très simple. Ou alors presse purée, voire avec une fourchette. Mais là, vous aurez un lissé qui sera quand même plus joli.
Voilà, donc on éteint, on sort du feu et on va aller faire notre purée. Alors, on est prêt à dresser nos assiettes, les convives sont prêts à passer à table. La purée de patates douces, elle a une belle consistance de purée. On a fait attention à peut-être enlever le trop-plein d'eau avant de mixer. On a nos condiments taillés. Et puis, on va juste aller faire notre œuf poché. Alors, vous voyez, on l'avait mis dans son petit ballotin, l'eau bout. Et voilà, alors je vous montre pour un, vous faites pareil pour quatre, évidemment. Et on va le plonger comme ça, avec la spatule. On le met dans l'eau, comme ça, on ne se brûle pas. Et on va le laisser... 4 minutes, 4-5 minutes. On voit déjà par transparence le blanc se coaguler le long du film. Et puis, petit à petit, ça va cuire à l'intérieur. L'idée, c'est de garder le jaune coulant, évidemment, parce que c'est ça qui va être sympa dans l'assiette quand on va plonger la cuillère ou la fourchette dans l'œuf, le couper en deux, et que ce beau jaune d'œuf va couler comme ça sur votre purée de patates douces. Voilà, donc vous voyez, sur une spatule comme ça, on peut accrocher plusieurs œufs. Hein, ça marche, on peut faire avec deux fourchettes, on fait les quatre œufs sans problème. Donc là, évidemment, pas besoin de saler l'eau, pas besoin d'apporter du vinaigre, puisque l'œuf n'est pas en contact de l'eau, il est simplement dans ce petit film qu'il protège. Et voilà, notre œuf est bien blanc, bien coagulé, jaune à l'intérieur. On va pouvoir passer au dressage. Alors, pour le dressage, on réserve notre œuf dans le petit ramequin dans lequel on l'a confectionné. On va sortir les frites du four. Voilà, qui ont une jolie coloration. Et puis, on va dresser notre assiette. Alors, la purée au fond de l'assiette. Voilà. Ensuite, on va aller positionner quelques frites. En éventail, comme ça. Donc, on est d'accord, on en met 4-5 par personne. Nos petits champignons pour décorer. Un petit peu de coriandre, le guacamole pour apporter un peu de couleur, une petite texture différente. Et puis, au milieu, juste là, on va venir poser l'œuf. Voilà, l'œuf, il s'enlève tout seul du... puisque vous avez mis de l'huile, donc le papier ne colle pas. Et on va venir poser l'œuf tout simplement dessus. Voilà, notre bel œuf. Et voilà, la promesse est tenue, vous pouvez faire 4 belles assiettes comme ça pour moins de 10 euros, un bel œuf poché, un œuf qui va être délicieux, cette purée de patates douces avec les frites, donc deux couleurs différentes, un petit peu de verdure avec la coriandre, l'avocat, le champignon pour apporter de la mâche, et on va se régaler. 4 personnes, moins de 10 euros, la promesse est tenue, avec mes patates douces et mon œuf poché. À très bientôt.